Bonjour à toutes et à tous, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi, je vous souhaite en tout cas les bienvenus à ce magazine de 30 minutes hein, proposé par la chaîne des Bénis. C'est votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. Nous recevrons d'un moment à l'autre le consultant de tous les mercredis, le prophète Eman Kwadio qui est déjà installé mais que nous allons découvrir tout à l'heure. Et puis juste après lui, nous aurons Espace Annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Nous allons vous permettre de mieux vous installer avec une première oxygénation musicale et puis nous allons juste après revenir sur ce plateau. Ce plateau, comme je l'avais annoncé, hein, le prophète Eman Kwadio est installé. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Ruth. Bien dormi, bien réveillé. Oui, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Alors, la semaine dernière, nous avons abordé un thème et aujourd'hui encore, nous allons revenir sur ce thème et puis terminer le sujet. Oui, nous avions parlé du but de notre existence. Mm-hmm. En une phrase, c'était de savoir pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois en vie aujourd'hui. Mm-hmm. À quoi est-ce que je dois servir ou à quoi est-ce que je sers à l'humanité? C'était un peu ça. Et nous avions expliqué que tant que tu ne découvres pas le but de ton existence, tu te sens un peu inutile dans la société. Mm-hmm. Et donc, certaines personnes devaient entrer en prière pour savoir. Et après l'émission, j'ai eu des réactions des gens qui m'ont appelé de tous les pays pour savoir comment on découvre le but de l'existence. Et j'ai trouvé que la question était pertinente parce que nous n'avions pas parlé de ça. Et donc, c'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Comment est-ce que je peux maintenant découvrir le but de notre existence? De mon existence. Donc, je rappelle qu'il s'agit pour toi de savoir pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Il y a trois points dont nous allons parler. Le premier point, il faut que quelqu'un sache que Dieu parle. Ruth, Dieu parle. Donc, si tu veux découvrir pourquoi est-ce que tu es sur la terre, la première chose à faire, c'est que, considérons que c'est Dieu
qui permet que tu sois en vie, considérons que c'est Dieu qui a accepté ou bien qui a permis que tu naisses et que c'est lui qui t'a maintenu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc déjà, tu peux t'adresser à Dieu pour lui demander quel est le but de ton existence. Ça n'a rien à voir avec le métier que tu fais, je vais préciser. Voilà, tu peux être un chauffeur de taxi, tu peux être un policier, pourtant, ce n'est pas ça que Dieu t'a destiné, ce n'est pas le but de ton existence. Dieu t'a créé pour quelque chose. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de prier. Et je veux déjà dire à tous ceux qui me regardent, Dieu répond à nos prières. Peut-être qu'une prochaine fois, on parlera de comment entendre la voix de Dieu. Mais pour le moment, je veux que quelqu'un comprenne qu'on peut déjà poser la question au Seigneur de savoir pourquoi est-ce que je suis sur la terre. C'est vrai que je suis sage-femme, c'est vrai que je suis un homme politique, c'est vrai que je suis une ménagère, mais quelle est la raison de mon existence? Pourquoi Dieu, tu as permis que je vive? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour découvrir le but de mon existence, c'est de rechercher en toi ce que tu sais faire. Quelles sont mes qualifications? Quels sont mes talents? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que je fais aisément et qui ne m'épuise pas moralement? Qu'est-ce que je sais bien faire? Voilà. Parce qu'il y a des choses que tu fais, mais comme je le disais la première fois, la dernière fois, ça te fatigue. Tu le fais, mais ça te fatigue. Tu ne te sens pas à l'aise dedans. Qu'est-ce que je sais bien faire? Et puis, qu'est-ce que je fais? Et puis, je suis à l'aise. Et puis, je ne me sens pas fatigué. Je ne me sens pas épuisé. Quel est le travail ou bien le rôle que je peux jouer? Et puis, on va me réveiller à 1h du matin. Et puis, ça ne va pas me déranger d'aller faire ce travail-là. Voilà. Tant que tu es en train de faire quelque chose, même si tu peux être dans l'église, tu es chanteur par exemple, et puis chaque fois qu'on dit à répétition du groupe musical, ça t'épuise, c'est que tu n'es pas à ta place. Voilà, tu es pasteur même. Il y en a qui peut, tu peux être pasteur, et puis tu n'as pas envie de préparer des messages, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie d'aller rendre visite aux âmes, c'est que peut-être que tu n'es pas à ta place. Donc, dans ce que nous sommes en train de faire, la deuxième chose, c'est de découvrir en toi qu'est-ce que tu as en toi, qu'est-ce que tu fais bien et en quoi tu te sens à l'aise. Et puis, le troisième et dernier point, c'est, ça veut dire que si le premier point n'a pas marché, Dieu ne m'a pas parlé. C'est ça. Deuxième point, je cherche en moi et que je ne trouve pas ce que j'ai comme talent. Hein, je peux avoir 50 ans, je peux avoir 60 ans. Jusqu'aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis à la maison, je me demande à quoi je sers. Je ne trouve pas ce que j'ai comme talent. Le troisième et dernier point, c'est qu'est-ce que je veux être dans la vie? Et là, c'est très important. Et c'est sur ça que nous allons terminer. Qu'est-ce que je veux devenir dans la vie? En fait, il faut que tu t'asseyes pour regarder à quelque chose. Tant que tu es couché à la maison et que tu ne t'es pas fixé d'objectif, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas devenir quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais prendre ton cas, Ruth, tu es animatrice. Voilà, tu animes très bien, tout le monde apprécie ton travail. Mais Ruth peut s'asseoir pour se projeter dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux devenir dans 10 ans? Est-ce que je veux rester animatrice? Parce qu'aujourd'hui, c'est bon, mais d'ici 10 ans, 15 ans, si tu es toujours animatrice, on sera désolé de te dire, ta vie n'a pas évolué. Oui. Tu comprends un peu, non? Donc, ça veut dire qu'à un certain moment donné, à partir d'aujourd'hui, même si je fais bien aujourd'hui ce que je fais, mais dans 10 ans, qu'est-ce que je veux être? Dans 15 ans, qu'est-ce que je dois être? Et par rapport à cela... Voilà, c'est par rapport à cela maintenant qu'on va se motiver, qu'on va se réveiller. Si quelqu'un dit, par exemple, je veux devenir directrice, par exemple, de télévision, aujourd'hui, je suis animatrice. Alors, Ruth commencera à chercher dans ses contacts, dans ses amitiés, dans ses voyages, dans ses relations. Va commencer à se former, se cultiver comment une télévision fonctionne. Parce que quand je suis animatrice, j'ai mon regard. Mais quand je suis directeur, j'ai aussi un autre regard. D'où trouver les sponsors. Tu vois que l'objectif que tu te serais fixé va te permettre de te réveiller tôt. Parce que quand quelqu'un dort jusqu'à 10 heures, c'est parce qu'il n'a rien à faire. Il va se réveiller à 6 heures, c'est pour faire quoi? C'est grave, hein? C'est grave. Voilà. Quand je vais me réveiller à 5 heures ou bien à 6 heures ou à 7 heures, c'est pour faire quoi? Donc, je préfère dormir jusqu'à 11h30 et aider mon temps au moins à passer. Mais celui qui se réveille tôt, c'est parce qu'il a quelque chose à faire. Donc, tant que tu ne te fixes pas d'objectif, que tu sois femme, par exemple, tu peux dire, bon, mon mari fait tout, mon mari me prend en charge, je n'ai pas grand-chose à faire. Mais ta vie va tourner en rond. Et un jour, peut-être que le monsieur te crachera une vérité à ton visage qui te fera mal. Et puis, qui sait, le monsieur n'est pas aussi éternel. Voilà. Que tu peux rappeler ce monsieur-là, justement, qu'est-ce que tu vas devenir? Voilà. Alors que c'est lui qui prend tout. Donc, il faut que tu t'asseyes pour dire... Par exemple, j'ai l'habitude de poser une question aux gens, à mes enfants, puis je leur dis, si la personne sur qui tu comptes n'existe plus, qu'est-ce que toi, ta vie devient? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu n'as pas besoin de compter sur qui que ce soit. Si Dieu t'a mis sur la terre, c'est parce que tu peux réussir toi-même. Amen. Tu peux réussir toi seul, sans l'aide de qui que ce soit. Parce que souvent, on s'assoit pour dire, j'ai un tonton qui peut m'aider, j'ai une tante qui peut faire ceci, je connais telle personne. Et puis quand la personne ne réagit pas, on trouve qu'elle est méchante. C'est ça. Mais quand lui, il réussit, c'est qui l'a aidé à réussir? C'est ça. Et si ce tonton, c'est lequel? Est-ce ou bien, qu'il est obligé? Il n'est même pas obligé. Si la personne sur laquelle tu comptes, aujourd'hui, on t'appelle pour dire qu'elle est décédée. Ça veut dire quoi? Ta vie, ta destinée s'arrête là? Je suis désolé. Donc, fixe-toi un objectif. Si Dieu ne t'a pas parlé pour te dire ce que tu dois être, si tu ne regardes en toi que tu n'as aucun talent, fixe-toi un objectif. Mes amis, on apprend à danser. Par exemple, je veux être un danseur, on apprend à danser. Tu veux être un footballeur, on apprend à jouer au football.
Quel que soit le métier, quand tu te devrais fixer un objectif, à partir de ce moment-là, tu iras apprendre ce métier-là. Par exemple, je veux être un styliste, c'est toi qui décides. Je veux être animateur télévision, tu regarderas Ruth, comment elle anime, comment elle fait ses rires, comment elle fait ses introductions, comment elle fait ses conclusions, comment elle danse. Et puis, tu vas apprendre sur Ruth et puis désormais, tu pourras aller postuler dans une chaîne de télévision. Donc, qu'est-ce que je veux devenir? Je veux dire ça à quelqu'un. Toi qui dors et qui pense que ta vie n'avance pas, c'est parce que jusque-là, tu n'as pas encore trouvé qu'est-ce que tu veux être dans la vie. Le jour où tu trouveras ce que tu veux être dans la vie, ta vie va commencer à changer. En même temps, j'ai envie de vous demander, très cher prophète, comment est-ce qu'on peut trouver qui et qu'est-ce qu'on veut devenir? En fait, parce que souvent, il y a des personnes qui ne savent pas vraiment où s'orienter, comment s'orienter, quel métier ils doivent faire pour pouvoir réussir dans leur vie. C'est simple. En fait, tu vois, c'est parce qu'on veut peut-être ressembler à quelqu'un ou bien on veut trop réfléchir. On veut pas trop réfléchir, au contraire. Il faut que tu t'asseyes et puis tu demandes, tu te poses la question, est-ce que ma vie doit rester comme ça jusqu'à toujours? Voilà. Si cette question-là te révolutionne ou bien te révolte, à partir de ce moment-là, tu trouveras les solutions. Même supposons qu'aujourd'hui, tu es fonctionnaire ou bien tu es salarié, mais tu as 100 000 francs peut-être par mois. Tu vas vivre avec 100 000 francs par mois jusqu'à combien d'années? À un moment donné, ça ne te suffit. Peut-être qu'aujourd'hui, mais ça ne te suffit pas. Ouais. Donc, il faut que tu essayes pour te demander, mais à quel moment mes 100 000 là vont passer à autre chose? Quand ce souci-là va commencer à peser sur ta tête, l'homme a un instinct. Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a encore plus de responsabilités. Voilà, plus de responsabilités. Voilà. L'homme a en lui un instinct de survie. Donc quand tu vas te rendre compte que les 100 000 là vont te créer la mort, l'instinct de survie va se déclencher en toi. Et c'est cet instinct de survie là qui va te donner la solution. Quelqu'un qui dit je ne sais pas quoi faire, là où il dort, si on le chasse aujourd'hui, il saura. De là où il dort, il va trouver une solution à son problème. Tu comprends un peu? Donc c'est l'aisance peut-être, la facilité qui font que les gens disent je ne sais pas quoi devenir dans la vie. Il faut que l'instinct de survie se réveille en toi. Mets-toi dans une situation où tu es dans des problèmes où tu ne peux pas t'en sortir, tu as le dos mu, forcément la solution viendra. Allez. Alors si tu le permets, en 30 secondes je vais relâcher. Rapidement une prière, comme on le fait tous les mercredis, que l'Éternel te donne un objectif dans ta vie. Et je veux prononcer que rien ne t'empêche d'atteindre l'objectif que tu te serais fixé. Amen. Ni les sorciers, ni le monde spirituel, ni tes amis, ni tes parents, ni aucune opposition sur la terre et dans le ciel ne t'empêche d'atteindre ton objectif. Je veux déclarer maintenant que l'Éternel dispose le ciel en ta faveur, qu'il dispose la terre en ta faveur, qu'il dispose les éléments de la nature en ta faveur, afin que le projet que tu as dans le cœur, que cela aboutisse et que ta destinée change. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Eman Kwadio, en tout cas pour ce bel enseignement. Hein. Voilà, donc faites un effort, il faut trouver ce pourquoi vous existez sur cette terre. Parce que nous sommes tous là pour un but bien précis et avancer dans votre vie. Passez une agréable journée. Et puis, merci. Même chose à maman Leïla et également aux enfants. Aux voilà, jumeaux. Je le fais. Oui, aux jumeaux. Coucou aux jumeaux. Et puis, nous allons marquer une toute petite transition musicale et puis recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces forces invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous, ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur des sangs et que les mauvaises langues se taisent. Rabbis des sangs et tu es le remède de ce monde. Seigneur des sangs et que les mauvaises langues se taisent. Rabbis des sangs et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tout ce qu'on veut chasser les démons, ils disent tu n'as rien créé. Ta parole m'emploie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Point, à la croix, tu as tout accompli. Et
l'éternel, j'ai foi en toi. Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Jésus des sangs, tu es le remède de ce monde. Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Rabbi des sangs, viens nous fortifier. Espace Annonce, ça démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing, comme d'habitude. Hein, et nous recevons pour ce matin notre cher pasteur, le pasteur Chilo, qui est installé pour le compte de la structure Oracle Ministries. Pasteur Chilo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, maman Joséphine Gbetibou, qui n'est plus à présenter également sur ce plateau. Maman Joséphine, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ma très chère maman. Merci. Et puis, je reste avec le pasteur Chilo. Avec lui, nous parlerons de deux dimanches de miracles et de guérison avec le prophète Ouattara Junior. Merci beaucoup, Ruth. Alors, je suis sur ce plateau pour deux choses. La première, je veux dire merci au peuple de Dieu qui s'est déplacé massivement le 17 et 18 août dernier lors de notre croisade. Vraiment, nous avons réuni près de 3000 personnes et il y a eu des guérisons, Amen. Des miracles instantanés. Le Seigneur s'est glorifié. Alors, après cette croisade, on remet le couvert cette fois-ci pour deux jours. Deux jours, deux dimanches. Ça a déjà commencé le dimanche dernier, le dimanche 3 et ce dimanche 10. Nous avons rendez-vous encore avec le Saint-Esprit, avec le peuple de Dieu pour un dimanche de gloire, de puissance, de manifestation de la gloire de Dieu. Donc, c'est ce dimanche 10, à partir de 8h, et c'est jusqu'à 11h30, D'accord. avec le prophète Ouattara Junior, ce jeune prophète dont je parle avec beaucoup d'admiration, qui fait beaucoup pour le peuple de Dieu au niveau de Yopougon, qui est puissamment utilisé dans le domaine de la guérison, dans le domaine des miracles et dans le domaine donc de la percée financière. D'accord. Alors, les dimanches démarrent ce dimanche-là. Ce sera le premier dimanche et il y aura un thème autour duquel ce dimanche spécial sera. Voilà, le thème qui sera traité, c'est « Sortie des prisons sataniques ». D'accord. « Sortie des prisons sataniques », pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui, bien qu'ils soient en liberté, bien qu'ils marchent, bien qu'ils nous côtoient tous les jours, sont dans des prisons spirituelles. Mmh. Alors donc, ce thème est traité afin de les amener à la liberté, de les faire sortir de cet état d'esprit-là, à un autre état d'esprit, à la liberté. Donc, on va traiter de ce thème-là ce dimanche-là. D'accord. Alors, on va donner la situation géographique de Oracle Ministries et puis rappeler à tout un chacun de nous les heures de vos différents cultes spéciaux. D'accord. Mais bien avant, je veux donc insister sur une chose. C'est que cet homme de Dieu est puissamment utilisé dans le domaine des miracles, de la guérison et de la percée financière. Voyez-vous, il y a un gendarme qui était venu lors de notre croisade. Ce monsieur devait avoir une promotion depuis 4 ans. Et donc, ça traînait. Parce que certainement, il y avait de la sorcellerie qui se passait. Alors, donc, par l'orientation prophétique, donc, l'homme de Dieu a prié pour cet homme. Et puis, deux jours après, c'est-à-dire, il est venu le jeudi, le samedi, sa hiérarchie, son patron l'a appelé pour lui dire qu'il a été promu. Vous voyez, Amen. Dieu peut faire encore pour vous. Vous qui nous regardez, vous qui nous assistez, je veux simplement vous inviter ce dimanche-là, à partir de 8h, à Yopougon, Niangon Nord, à côté de l'ancien Terminus 44. L'église s'appelle Oracle Ministries. Vous trouverez une église climatisée, peinte en violet. C'est là que votre miracle vous attend. Les contacts, hein. Vous pouvez nous joindre au 09 90 21 76, aussi les 51 99 74 87. Merci beaucoup, pasteur Chilo, d'être passé sur ce plateau pour le compte d'Oracle Ministries. Je rappelle, deux dimanches de miracles de guérison qui démarrent ce dimanche déjà avec le prophète Ouattara Junior avec pour thème sortie des prisons sataniques en ce lieu, Yopougon-Niangon Nord, ancien Terminus 44. Plus d'informations, 00225-09-90-21-76. 00225-51-99-74-87. Maman Gbetibou Joséphine est installée. Vous le savez déjà, l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon est dans le réveil depuis déjà bien longtemps. Le réveil se passe, beaucoup de choses miraculeuses se passent au travers de serviteurs de l'Éternel, le pasteur Samuel Monté. Et elle est justement sur ce plateau pour nous rappeler qu'il y a un rendez-vous divin ce jeudi sur le coup de 18h. Elle en parle. Oui, je dis rendez-vous divin. Parce que la bénédiction de Yopougon, avec à sa tête le pasteur Samuel Manté, vous invite à venir vraiment, c'est un rendez-vous divin. Et vous allez entendre la parole de vie, qui va briser le joug. Parce que la parole de vie brise le joug de la stérilité, la parole de vie brise le joug du chômage,
la parole de vie brise le joug de tout ce que l'ennemi a mis dans nos vies pour nous empêcher d'évoluer. Et c'est le jeudi prochain, c'est-à-dire le jeudi 8 septembre, à Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. Bien-aimé, je t'invite à venir à ce programme. Parce qu'au cours de ce programme, vraiment, l'enseignement que tu vas recevoir va te permettre de comprendre que véritablement, Dieu t'a aimé de sorte que tu puisses être vainqueur dans toutes les situations. La Bible dit en Romains 8, versets 36-37, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Oui, tu es vainqueur dans toutes les situations, mais tu ne le sais pas. Parce que Dieu t'a aimé pour que tu sois vainqueur. Lui-même, il s'est laissé mourir pour que toi, tu sois vainqueur sur toutes les situations. Alors viens, bien-aimé, pour que tu saches que tu peux dominer toutes les situations parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Il a dit que tu domineras sur toutes choses. Amen. Parce que c'est toi qui l'a créé, qui l'a mis à une place de choix. Mm-hmm. Oui, tu es celui-là même que Dieu a mis à une place de choix, mais c'est parce que tu ne le sais pas que tu pleures. C'est parce que tu ne le sais pas que tu gémis. C'est parce que tu ne le sais pas que tu te plains. Mais si tu viens, tu le sauras. Amen. L'enseignement que tu vas recevoir va te permettre de savoir que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es choisi de Dieu. Amen. Que Dieu t'a mis à une place de choix, bien-aimé. Je veux que tu saches cela. Je veux que tu saches cela parce que l'ignorance nous amène dans des situations vraiment qui ne glorifient pas Dieu. Viens à Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny, quartier Kenya. Viens prier Dieu. Amen. Viens entendre la parole de vie qui va briser le joug. Viens entendre la parole de vie qui va te booster. Viens entendre la parole de vie qui va te faire des exploits dans la vie. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Viens Amen. Aussi le dimanche pour louer le Seigneur. Amen. Alors, on sent déjà que Maman Gbetibo Joséphine, vous bénéficiez de tous les enseignements du pasteur Sam, parce que là, vous êtes en train de véhiculer la parole de Dieu. Alors, comme il se doit, donc récapitulatif, ce jeudi, sur le coup de 18h, de 18h jusqu'à 21h, vous avez un puissant moment d'adoration et de puissance du côté de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon, qui est située à Yopougon, à l'hôtel Astoria Palace, plus précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny. Et puis le dimanche, chaque dimanche, il y a un culte spécial pour vous également qui avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de déblocage financier, vous avez besoin en tout cas de sentir la parole de Dieu ancrée en vous. Un seul lieu, l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Plus d'informations, 00225 avec la permission de maman, je laisse les contacts. 00225 08 00 81 99, 00225 04 71 48 10. Comme l'a dit le pasteur Samuel Monté, Dieu nous a déjà tout donné, il suffit juste maintenant de nous déplacer et de prier pour posséder ce que le Seigneur nous a déjà donné pour que cela se matérialise dans notre vie. Donc allez-y et vous verrez réellement des choses incroyables s'accomplir dans votre vie. Maman Joséphine, c'est bon, j'ai bien conclu? Oui, c'est très bien, merci. Merci, merci. Allez, nous allons y aller à présent avec le révérend Paulet Ouin qui était ici même sur ce plateau pour nous parler encore de cette deuxième édition d'Aller au Pays de Jésus. Il était sur le plateau hier avec Adrien Nao. Nous vous reproposons en tout cas cette vidéo qui vous invite à venir massivement participer à la deuxième édition d'Aller au Pays de Jésus. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Beni TV et King Voyage. Il y a des pèlerins du Cameroun, des pèlerins du Burkina, des pèlerins du Togo, des pèlerins du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Lorsque nous nous sommes retrouvés en Terre Sainte, nous sommes d'abord devenus une même famille. Et ceux même qui étaient sceptiques, qui ne savaient pas pourquoi au juste, ils allaient juste en tourisme, ils étaient obligés de rentrer dans cette mouvance prophétique qui a été dégagée, parce que sur chaque site, nous avons posé des actions prophétiques, nous avons prié, nous avons demandé à chacun d'exposer son cas à Dieu. Donc ce n'était pas simplement aller pour faire du tourisme, mais nous sommes allés pour poser des actions fortes, comme nous l'avons indiqué ici sur la chaîne des Bénis. Alors là, vous êtes sur ce plateau ce matin et nous parlons de la deuxième édition qui aura lieu en novembre. C'est parce que la première édition a été un succès. Oui, qu'on parle de deuxième édition. Moi, je bénis Dieu parce que tout ce que Béni TV fait, Béni TV le fait par révélation. C'est nous ça. Avons constaté qu'il est difficile pour certaines personnes d'aller s'imprégner des réalités en Israël. C'est ça. Et après avoir pensé, réfléchi, toute la direction à la tête, le couple pastoral, le pasteur Sylviane et son époux, le pasteur Sam, ont voulu offrir ce voyage à toute l'Afrique. Mm-hmm. Pour ceux qui veulent aller marcher dans les pas du Christ, je précise bien, aller marcher dans les pas de Christ. Pour nous, c'est très important de valoriser la chose de Christ parce que ce que Christ nous a apporté est beaucoup. Mm-hmm.
Et c'est comme ça que Béni TV a initié la première édition. Et aujourd'hui, nous terminons l'année. Nous voulons que des personnes qui n'ont pas pu effectuer la première édition puissent encore s'imprégner de la deuxième édition. C'est très important. On sera débordé, c'est sûr. Hein. Bon. On va maintenant donner les conditions. Comment on fait pour participer à cette deuxième édition? Les conditions, tout le monde peut participer. Mm-hmm. Tout le monde peut participer, mais seulement ce qu'il faut savoir, c'est que nous demandons d'abord, nous avons allégé la tâche à tous ceux qui veulent se déplacer. Il faut maintenant même, où vous m'entendez, venir à la maison de la télévision pour vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Inscription 100 000 francs. Mm-hmm. L'inscription nous permettra de pouvoir ouvrir votre dossier et commencer déjà à faire les démarches par rapport à vos visas et à tous les papiers qui concernent votre voyage. Mm-hmm. Et à côté de cela, nous avons le coût du voyage qui est de 1 560 000 francs. Je vois ici 660. Y compris l'inscription. Y compris l'inscription. Voilà, okay. Donc l'inscription, c'est maintenant qu'il faut payer l'inscription 100 000 francs pour réserver sa place, mm-hmm, et permettre aussi à toutes ces personnes qui n'ont pas la totalité de la somme déjà avancer une partie ce mois et solder l'autre partie. C'est par modalité. Justement. Donc, mm-hmm, c'est cette facilité que Bénin TV offre à toutes ces personnes qui veulent faire partie de l'édition de novembre. Alors, est-ce que ceux qui sont dans la sous-région, qui sont hors du pays, hors de la Côte d'Ivoire, qui souhaitent participer également, peuvent se joindre à vous comme à la première édition? Nous l'avons démontré à la première édition. Nous, mm-hmm, avons reçu des frais qui nous sont venus de Burkina, du Congo. Il y a des frais résidents au Bénin, mm-hmm, des frais béninois, mm-hmm, et togolais qui résidaient au Congo, que nous avons déplacé en Israël, wow, par la grâce de Dieu. Mm-hmm. Donc toute l'Afrique est concernée. Mm-hmm. Vous qui me suivez, vous êtes concernés. Il suffit d'entrer en contact avec nous en fonction de tous les numéros que nous donnons. C'est pour faciliter la tâche à toutes ces personnes qui ne peuvent pas avoir une longue conversation avec nous. D'accord. C'est pourquoi nous donnons les mails, nous donnons les Facebook et les numéros. Pour ceux qui sont loin, nous échangeons beaucoup en mail. Maintenant, mm-hmm, pour ceux qui sont avec nous en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, on peut aussi, par les numéros, pouvoir donner toutes ces informations. D'accord, ça sera comme à la première édition, hein, vous allez passer sur nos différents plateaux et expliquer au fur et à mesure à nos différents téléspectateurs. Alors, est-ce qu'il y aura une particularité pour cette deuxième édition? Oui, la particularité, c'est que Bénin TV a décidé d'aider aussi tous ces groupes qui veulent partir en Israël. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour, d'accord, le mois de novembre, mm-hmm, mais si vous êtes un groupe de personnes, de catholiques, mm-hmm, de chrétiens, évangéliques, de tous bords, contactez-nous, nous pouvons aider votre groupe à vous déplacer. Ah, ça, c'est la particularité. C'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. On peut dire, nous sommes pentecôtistes, nous voulons aller pour juste expérimenter notre foi pentecôtique. Est-ce qu'on peut le faire par le canal de Béni TV? Bien sûr. C'est pourquoi je suis là pour dire que ça soit des voyages personnels, mm-hmm, voyages de groupe. Nous organisons ces voyages pour permettre à toutes ces personnes qui veulent se rendre à la Terre Sainte de s'y rendre, parce que le ministère des Affaires étrangères nous a fait confiance. La preuve, nous ont décelé un diplôme à tous nos pèlerins, mm-hmm, pour meilleure organisation, wow, et respect de la parole donnée. Mm-hmm. Donc je pense que ça nous donne droit à organiser tous ces groupes qui veulent partir. Mm-hmm. Peu importe votre groupe, si vous voulez vous rendre en Israël, rentrez en contact avec nous. Nous allons vous coacher, vous encourager du visa jusqu'à votre retour, par la grâce de Dieu, vous irez en Israël. Alors, c'est une aubaine, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Alors, révérend Paulé, nous allons là terminer avec les contacts. Pour ceux qui en souhaitent entrer en contact avec vous, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Vous voulez visiter Israël, c'est possible, avec, mmh, King Voyage et Béni TV. Nous avons des sites qui sont pour nous des sites, des symboles qui relatent les actions que Jésus a posées. Mmh. Mais seulement, pour terminer, nous, quand nous allons en Israël, nous permettons à nos pèlerins de pouvoir poser des actions prophétiques sur les différents sites. Mm-hmm. Sur tous les sites que nous visitons, il y a des actions que nous posons. D'accord. Israël, c'est un pays à découvrir. Vous pouvez nous appeler au 88 07 07 96, et aussi nous avons notre Facebook, pour ceux qui veulent encore plus des informations, pour voir des images, mm-hmm, vous allez sur le Facebook, c'est Pèlerinage Béni. Vous allez voir tout ce qui s'est passé en Israël. Mm-hmm. Et aussi, nous avons notre mail qui est pèlerinagebeni1@gmail.com. Mm-hmm. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémané, le tombeau de Jésus, le mur de Lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus.
Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinagebeni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà, alors nous vous invitons, nous vous réinvitons. Vous avez vu hein, la première édition qui a été un véritable succès. Allons au pays de Jésus, c'est le grand pèlerinage qu'organise la chaîne des Bénis en collaboration avec King Voyage. Hein. Venez partout dans le monde entier parce que la première édition, vous l'avez vu, comme je l'ai dit tantôt, ça a été un succès. Nous vous attendons du Mali, du Burkina, du Gabon, en tout cas de partout. Vous avez la possibilité de vous inscrire. Inscription 100 000 francs et puis vous aurez en tout cas tous les autres détails si vous appelez à ces différents contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Je vais terminer cette émission, mais avant, je vais encore vous inviter à venir massivement ce samedi pour l'enregistrement des deux manches éliminatoires, des deux dernières demi-finales de l'émission Solfège. Donc les deux demi-finales de l'émission Solfège seront enregistrées ce samedi sur le coup de 9h à la cathédrale de la vie qui est à la Riviera Faya en face de la pharmacie Laurier 9. Je vous invite à venir nombreux. Nos demi-finalistes sont prêts, en tout cas ils prévoient un véritable show à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous permets en tout cas de voir cet élément vidéo où nos demi-finalistes sont en train de se préparer pour que ce samedi soit un samedi glorieux. Solfège, exprime le meilleur de toi pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, donc Matin d'Afrique s'achève ici. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Demain, je serai là, par la grâce de Dieu, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Agréable journée. Mon aïe, tu es où, va-oh. Mon aïe.
road.